Et nous avons la joie et surtout la chance d'accueillir Yvan Demumieux, qui est un spécialiste de la chose. Et donc, vous allez nous parler de ChatGPT, quels sont les avantages, mais aussi peut-être quels sont les risques. Quelles sont les limites ? Juste pour vous dire que ma spécialité, hein, c'est vraiment l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie technopédagogique, ludopédagogique, comme l'a dit Martine d'ailleurs. Et effectivement, hein, mon partenaire vraiment principal avec lequel je travaille, c'est une agence qui est basée en Belgique, à Namur, et qui est spécialisée dans le digital learning, tout ce qui est aussi, même le théâtre. Hein, donc, c'est très large et on accompagne en général les équipes de formation de grands comptes, de grandes entreprises et les managers aussi dans ces grandes entreprises. C'est vrai que ça fait quelques mois que je travaille sur l'apport de ChatGPT pour les formateurs. C'est ma spécialité par rapport à ChatGPT. Je ne traite pas des autres sujets vraiment, tout ce qui est, comme le disait un petit peu Auguste, hein, sur l'optimisation, par exemple, d'un site internet avec ChatGPT, le coding avec ChatGPT. On peut faire tellement de choses possibles. Non, moi, le focus, et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, c'est vraiment comment améliorer nos qualités de formation et tout ça avec moins de temps, moins d'efforts. C'est via un processus de progression avec ChatGPT parce que ben, finalement, c'est un peu comme avec les humains, il apprend. Et c'est un peu sa grande spécialité, c'est qu'il apprend et il apprend avec nous. En même temps, même s'il y connaît beaucoup de choses, il apprend à nous, avec nous et de nous. Et c'est ça qui fait sa grande différence, ChatGPT. Sur ça, il me dit OpenAI. OK, très bien. Je clique sur le site. Donc, c'est comme ça que je vais y arriver. Et là, il va me dire, il faut trouver la petite incantation qui me dit « try ». Voilà, en bas à gauche, « try ChatGPT ». C'est là-dessus que je vais cliquer. Je vais faire « ChatGPT », où est-ce qu'il m'amène directement. Il va vous demander « sign up », ça veut dire « vous inscrire ». Voilà. Soit vous existez déjà dans sa base de données, vous faites login. Voilà. Donc là, il va falloir créer un compte à partir de ça. Et c'est bon après. Donc, ce qui serait bien, c'est que dans la salle, il y a quelqu'un qui me propose une idée. Puis on va la tester et on va découvrir étape par étape comment progresser avec cette idée pour aller plus loin. Moi, j'ai un projet en ce moment sur le management à distance. Quelle aide de ChatGPT serait intéressante pour ce projet-là ? On pourrait lui demander de créer un scénario, de créer des évaluations avant-après peut-être. Ok, ouais, très bien. Ben, on va commencer par l'idée d'un scénario. Donc, je vais commencer hein, tout simplement. Rédige-moi. On va commencer par une commande la plus simple, la plus naturelle. Est-ce que vous voyez une autre commande que vous auriez dit, Estelle, ou est-ce que là, ça vous va ? Parfait, parfait. Merci beaucoup, merci Yvan. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Super intéressant. Merci. Un grand merci. Oui, merci. Avec plaisir. Super. Merci, à bientôt peut-être. Hein. Oui, avec plaisir, s'il y a d'autres occasions. Au revoir.